Et hop les gens, c'est Archinex, et aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo sur The Stanley Parable. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode, je vais le mettre là, juste à côté, ou ça doit être par là, je sais pas. Je vais mettre le premier épisode, je vous conseille fortement de le regarder, c'est là où j'ai expliqué, comme j'ai pu, le jeu, en fait le principe du jeu. Alors cette fois-ci, on va essayer de trouver plusieurs fins, d'autres fins que j'ai fait dans le premier épisode. C'est parti, on commence direct. Ah c'est bon. Ah oui, ça faisait longtemps que je n'étais plus revenu dans cette salle. Alors, je vais lire des propositions qui avaient été proposé par des abonnés. Jérôme est atteint à la fin de cette vidéo. Explique Master Egg. Alors, j'ai regardé la vidéo que tu m'as proposé, Jérôme. Bon, ça, on avait déjà fait que c'est... Bon, déjà, je trouve ça bizarre parce que normalement, on part pas vers la droite. C'est... Ah non. Quoi que non. Je sais plus. On doit faire, en fait, tout le long du jeu. Vous savez, à la fin, on a dû appuyer sur on ou sur off. Et là, j'ai appuyé sur off qui a arrêté la machine. Et que j'ai pu sortir de cet endroit. Et bon, on va essayer d'appuyer sur on, et j'ai pas regardé ce que ça fait, mais il m'a dit que c'était là où il fallait aller. Donc, je vais y aller. Ah non, c'est pas celui-là. Je me suis trompé. Là, c'est bon, je me souviens de la vidéo. C'était ici, en fait. On, off, on le fera après. D'abord, en fait, on va faire celui-là. Et après, on refera celui-là où on appuie sur on, que j'avais vu sur une autre vidéo encore. C'est parti, on va déclencher les caméras. Et ce qu'il faut faire ici, c'est attendre 30 secondes une fois qu'on arrive sur la dernière plateforme qui est là-bas. Attendez. Ils dépêchent, là on a tous les écrans, ça c'est normal. Voilà. Ah mais je me suis embrouillé entre les deux solutions, mais c'est bien celle-là qu'il y avait dans la vidéo que m'a proposé Jérôme. Ouais, voilà. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est attendre. Voilà. En fait, il faut attendre 30 secondes, je pense. Et le portail va s'ouvrir. Ça serait plutôt sympa. Ah, c'est bon, j'ai entendu. C'est parti. Alors, là, faut y retourner ici. Et normalement, est-ce que c'est... Non, c'est pas ce bouton-là, c'est l'autre. Je pense... Oui, c'est le tout premier. Alors, voyons voir ce que ça fait ce bouton. J'ai pas vraiment regardé. Pourquoi il y en a un qui est bizarre? Bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Oh, attends, le son en plus, hyper fort. Ok, j'ai trouvé... The Eggmaster. Bon, première fin, on va dire cachée du jeu. On va essayer d'en trouver d'autres. On peut l'arrêter ou pas? Non, on peut pas l'arrêter. C'est pas grave, ça fait un peu de musique. Ah bah tiens, on va essayer de faire le deuxième. Non, qu'on y est. Mais c'était la fête en bas. Je voulais rester en bas, s'il vous plaît. Ça, on avait déjà vu dans le premier épisode. C'est pour ça que je vous conseille de voir le premier, parce que je skip tout ce qui a été dans le premier épisode pour pas ennuyer les, ceux qui l'ont vu. Et là maintenant, là où j'avais hésité, est-ce que on... On ou off, on va appuyer maintenant sur on. C'est parti. Activer le contrôle, non? Il n'y a pas d'activer le contrôle. Après qu'il ait réduit en esclavage pendant toutes ces années. Tu me... Oh! T'es un peu sadique, hein, le narrateur. Hein. Je suis juste sur ça comme ça. Je vais devoir attendre 2 minutes, sérieusement? Non, non, je pense pas. Oula, c'est déjà 4 secondes! 3, 2, 1. Attention! Et boum! C'était direct, je pense. Il n'a même pas fini sa phrase, à chaque fois il se coupe tout seul. Bon. Est-ce que je vais réapparaître? Ah, chargement. Je pense qu'il va me faire apparaître quand même. Voilà. Alors, je vais voir le deuxième. Alors, 92 FR F1. Tartin, j'ai déjà joué au jeu, tu peux me conseiller plusieurs trucs pour ta prochaine vidéo. Alors, dans la première salle, il y a un bug. Tu montes sur la table et que tu passes par la fenêtre, je t'en dis pas plus. Excellente vidéo. Ben, on va voir ça. Mais comment je peux faire pour monter? Oh! Oh là, attendez! Oh, trop bien! Attendez, qu'est-ce qui... Mais j'ai vraiment envie de voir ce qu'il va me dire. Et normalement, il me dit de passer par la fenêtre. Ah, je peux peut-être m'accroupir. Oh, les gens! On va voir en fait ce que c'est. Il me dit, je t'en dis pas plus. Essayons. Il s'est passé. Ok! Quand d'abord qu'il avait trouvé un bug, il attendait que cette narration était réaliste et ce que... He then praised the game for its insightful and witty commentary into the nature of video game structure and its examination of structural narrative tropes. So, now that you're here, what do you think? Isn't this a fun and unique place to be? C'est un joli bug, oui, c'est super fun ou pas, mais okay, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? What do you think? Are you sick of this gag yet? Je pense que c'est un gag. Oh! Are you sick of this gag? Ouais, ouais, on va dire oui. Moi j'appuie. Il me pose des questions comme ça.
Oh non, il va me chanter une chanson. Je vais péter un câble. En fait, c'est ça, il va me faire péter un câble pour que je redémarre. Je fasse ça et recommence à nouveau. Mais non, je ne recommencerai pas à nouveau. Je suis là, j'y reste. En fait, il n'y a rien à faire. C'est quoi ce bug? La troisième. Parsinoy, essaye de faire le succès. Essayant d'ouvrir une porte 5 fois, tu vas être surpris. Et c'est la porte 430. Ok, donc c'est le dernier truc qu'on va proposer. La 430, c'est celle-là? Ouais, c'est celle-là. J'ai envie de l'ouvrir. Laisse-moi l'ouvrir. Tu vas faire une spéciale? Tu m'as trollé, Sinoy? Je pense que tu m'as trollé. Je suis en train de spammer eux en plus. Mais c'est pas celle-là? Ah, attendez! Tiens, à chaque fois, je me rappelle de tous les trucs. Il y a un ascenseur, normalement, à un moment. Donc ici on va passer à gauche. Et ici il y a une sorte d'ascenseur, ce que j'avais vu la dernière fois. Non. On va prendre ça, voir ce qu'il y a. Tu galères? Il galère un peu là, je pense, à trouver sa... la suite. Ici? Ok, ok, bah je vais à gauche. Quoi non? Pardon. C'est pas grave, je t'excuse, bon. Ah, à droite. Ok. Tu vas pas me faire ça tout le temps, hein. Elle est bien cette blague, mais juste quelques secondes, après c'est bon, c'est nul. Allez, cherche dans ses papiers. Allez. Gauche, droite, gauche. T'as trouvé, super. Pas d'autre endroit. On va y aller. Bonjour camion. Ou camionnette plutôt. Bon, on va y aller. Je suis en train d'hésiter. Est-ce que je suis là? Ce qu'il m'a dit. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah oui, tu m'as spoilé. Attends, si c'est la première fois que je joue au jeu, je me dis putain, c'est quoi cette salle? C'est la fin du jeu? On va recommencer, juste pour trouver le bon chemin. Ok, c'est reparti. Je ne vais pas me spoiler. Et... pourquoi il y a... oh là, oh là, il y a plein de portes. Attends, qu'est-ce qui se passe? On prend laquelle? Bon, on commence à droite, hein, je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh oui, tu vas devoir redémarrer. Parce qu'il est complètement bugué. Il a redémarré. Ça, j'aime bien ça, parce que même si tu redémarres, il va suivre quand même son histoire et ça, c'est marrant. Bon, en espérant que ça a marché. Ça se trouve, c'est reparti du début, je sais pas. C'est cette salle. Que je tourne en rond. Putain, mais il change tout. C'est pas ici. Bah oui, que tu reconnais pas cet endroit. Pourquoi j'y suis jamais allé? C'est la première fois que j'y vais. Pas du tout. À part si dans un jeu d'horreur, peut-être. Mais pas dans The Stanley Parable, non? Oui, j'ai gagné. Écoute, du coup, j'ai gagné. Pourquoi j'ai gagné? Il va encore redémarrer, mais c'est pas possible. Il va redémarrer combien de fois? Allez, dernière fois. Enfin, j'espère. Qu'est-ce que c'est? Quand je suis la ligne. Bon, on suit la ligne, hein, puisqu'il m'a dit de suivre la ligne. C'est parti. C'est... oh là, on se décale. On se décale. Oula, il y a un carton. On décale, on décale. Attention, attention. Oh, faire gaffe, faire gaffe. Oh, là, non, 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 elle est pas là, l'histoire, je l'ai déjà faite, mais pas du tout. Tac, 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 tac. Oula, il commence à partir n'importe comment. Je te suis, la ligne. Je te suis, j'essaie de te suivre. Ça va être compliqué. Elle marche pas très bien, ta ligne, hein. Oula, oh oula, oh attends. Je peux pas te suivre la ligne. Je suis obligé de couper. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ouais, ouais. Arrête ça tout de suite parce que. Oh. Ok, on va essayer de te suivre. Non, obligé de couper la ligne. Tac, 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 tac. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est cette musique? La vieille musique qu'il y a derrière. Je dis que je suis la ligne, donc je suis la ligne, hein. Moi je rigole pas avec ça. Ça va être un peu compliqué là pour ça. Bon, on va suivre comme ça. C'est ma vie, cette vieille musique derrière, ça m'encourage pas tellement, moi, hein. Tu t'es trompé de personne. T'as eu un petit souci dans ta programmation, mec, hein. Tu seras pas. Tu feras pas des jeux plus tard. Enfin, je pense que t'as fait celui-là, tu l'as bien merdé. Tiens, encore il m'a spoil.
C'est pas possible, arrête de me spoil. Encore, je connais la fin, mais pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu... C'est un peu bâtard. Putain. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ouais, t'as lu, il y a eu quelques soucis, je pense. C'est n'importe quoi. Bon, bah, va suivre la ligne, encore une fois. Où elle va nous amener? Eh, c'est... Ah non, mais non, je peux pas te suivre, la petite ligne. Non, non, par contre, là, ça va être pas trop, trop possible. Non, bah, on va suivre notre propre direction, comme on fait depuis le début. Où suis-je? Ah, une décision. Oui, ça faisait longtemps que les deux portes que j'avais eues. D'accord. Ok. C'est en fait toutes les fins qu'on peut avoir. Enfin, pas vraiment, mais le nombre de restarts qu'il peut faire et ce qu'on va voir en fait. Tout était prévu en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? What? Où suis-je? C'est mon bureau. Gotcha. C'est quoi ça? Pourquoi c'est un mannequin qui... On prépare le dîner. C'est parti, je prépare le dîner. Bouge. Non! Ma cuisine! Mais non, ma cuisine! Je t'aime. Non! Tu es changé en bureau maintenant! Putain, elle, quand je lui dis je t'aime, elle change en bureau. Elle fait non, non, moi non. Je préfère être mieux être un bureau. Veuillez mourir! D'accord, ok, pas de problème. Il me faut une corde, un tabouret et un lampadaire bien solide. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a fait mourir en plus ce bâtard. Bon bref, on s'arrête ici les gens. Je pense qu'on a fait un peu le tour, j'ai essayé de faire plusieurs fins. On va se mettre devant cette vitre. Non, c'est même dégueulasse cette vitre. Bon bref. Et bien voilà les gens, j'espère que cette deuxième vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime et un petit commentaire, ça me fera super plaisir. Et j'espère que vous avez vu plusieurs fins que vous n'avez pas trouvées. En jouant au jeu. Je vous rappelle, il est disponible pour 5€. J'ai aussi à le trouver à 5€ sur un site. Donc vous pouvez aller l'acheter si vous voulez. C'est un très bon jeu. La logique du jeu est très bien. Mais voilà. A plus tout le monde et à bientôt. Ciao.